j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, je vais faire une petite vidéo courte parce que bon, je suis désolée. J'ai eu plusieurs commentaires par rapport au niveau de la vidéo pour le petit tampon en creur comme ça. Et en fait, apparemment, j'ai fait des doubles au niveau du tamponnage acrylique. Donc, je vais vous montrer les deux des roses. Bon, ça va vraiment être une vidéo vraiment vite fait, bien fait. Si on peut dire ça comme ça. Ah, je prends le petit tampon qui est là. Bon, comme ça, en même temps, vous verrez les détails. Alors, apparemment, j'ai tamponné les deux couleurs pareilles. Alors, apparemment, ça doit être le rose foncé. Bon, c'est pas très, très grave. Donc, je voulais vous refaire une vidéo pour vous montrer un petit peu la différence de couleurs. Alors c'est bien un euro... attendez, allez, je vais regarder sur... sur le ticket de caisse, 1,49€. Donc là, vous avez le rose clair. Hop. Bon, il ne faut pas faire attention. Hein. Il y a des moments où je suis un petit peu à côté de la plaque. On va dire ça comme ça. Oui. Oh, bah attendez. Ah bah ouais, bah c'est normal, j'ai mon truc. Attendez, on va reprendre ça parce que j'ai mon rebord de table qui est là. Et ça va pas. Quand je l'ai acheté, cette table, je me suis dit, ah, elle est géniale. Et en fait, elle est vraiment casse-pied parce qu'il y a toujours le rebord. Je me fais toujours avoir. Ah, bah, attendez, ça va marcher. C'est pas vrai. Ah, au secours. Alors, par contre, c'est vrai que ça, je l'avais pas vu, vous voyez. Les couleurs qui sont là, ça déteint sur l'autre bord, sur certaines couleurs. Pas terrible. Hein. Allez, on recommence. Voilà. Alors, donc ça c'est bon. Bon, il y a à part qu'il y a un petit truc au milieu qui s'est pas fait. Ah, franchement, on dirait que les couleurs, elles sont. On dirait de la craie en fait. C'est cela que j'ai pris. Hein. Oh, oui, c'est ça. J'ai pris le clair. Vous voyez, je déconne toujours dans mes vidéos et en fait, je suis pas sérieuse en fait. Hein. Apparemment, ce tampon-là, il va pas. Hein. Alors là, il y a du foncé. Ah oui! Ah, c'est mieux! C'est mieux! Ah, je vous montre pas. Non! Alors là, par contre, sur le petit tampon qui est là, ça a tendance à accrocher. Il faut vraiment bien frotter. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc là, c'est bon. Vous avez bien deux couleurs. Deux couleurs. En plus de ça, je me répète. Alors, on va en refaire un autre. Allez, on va commencer par le rose foncé. Ça m'embête, c'est que le tampon dirait qu'il ne marche pas. Bizarre, ça. Alors, attendez. On va refaire avec le rose foncé. Ah ben non. Ils ont un problème ces tampons, ils ne se mettent pas bien. Bon, je pense que c'est préférable de faire ces tampons-là que j'avais acheté à Action. Voilà. Avec la gel presse. Avec la planche à tamponner. Je voulais vous faire un deuxième tamponnage, mais ça ne va pas passer. Ah, c'est pénible. Bon, bah écoutez, bon, je voulais vous en faire un deuxième pour vous montrer, mais apparemment, ces tampons, ils sont pas... Il y a des tampons qu'il vaut mieux faire avec la planche à tamponner, parce que vous voyez, il y a tellement de motifs, voilà, c'est que ça va pas en fait, donc il faut vraiment... Alors, faites attention quand vous allez la fermer, des fois, elle se clipse mal en fait. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous le dire sur... je m'en suis aperçu quand j'avais fini la vidéo. Il faut vraiment que vous avez... Voilà, le petit clip de claque. Voilà. On a l'impression que c'est un petit peu... vous savez, ce qu'il crée, en fait. Ça fait ça au niveau du tamponnage. Vous voyez? Donc, bon, bah, y a bien deux couleurs différentes pour le rose. Hein. Donc, j'ai rien dit. Je fais un petit erratum.
Il y a bien de rose sur la petite fleur d'encre de chez Action. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, mais bon, c'est vrai que j'avais pas. J'étais tellement dans mon délire la dernière fois que j'ai oublié de vous faire le deuxième. Voilà, bah, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Bah écoutez, moi je vous fais des gros gros bisous. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très très belle journée. Faites les choses que vous aimez et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.